Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Diablo 3. Où après avoir terminé l'event de Tristram, de l'anniversaire de Diablo, nous allons aller voir pour la suite de secrets concernant... Ah, j'ai oublié du coup le seul truc important. Cool, génial. Ah, donc on se saisit de notre fameux champignon moisi. Champignon moisi qui donc... Champignon pourri, pardon. Qui donc provient du niveau 9 de l'événement de l'anniversaire. On bouge dans l'anniversaire. Donc dans l'anniversaire, on note plusieurs cadavres. Plusieurs cadavres avec des interactions. Qu'on note qu'on peut cliquer. Les interactions donnent des verrouillages. Le verrouillage, du coup, donne un indice. Donc cet homme est mort sans le sou, donnant tout ce qu'il avait à ses voisins. D'accord. L'esprit de cet homme veut aider les gens. Cool. Veut aider les affligés. Toi, vous avez besoin d'une potion pour réveiller cet esprit. Ok. Ensuite, Griswold, le forgeron. L'esprit sans repos de ce forgeron a besoin de faire un dernier trésor. Oui. Ok. Et donc dans l'idée, on a aussi accès à la hutte d'Adria, qui est à droite là-bas. Et si je me souviens bien, il y a un chaudron, et c'est là-dedans qu'on commence du coup le truc du champignon. A droite, on trouve 3 cadavres de vaches. C'est... c'est que 3 ouais, je sais plus, il y a des cadavres de vaches qui servent pour la suite. Donc, chaudron. Ah voilà, donc. Utiliser le champignon sur le chaudron donne... c'est quoi déjà? Le breuvage de la sorcière. Le breuvage de la sorcière. Muni de ce breuvage, on avait vu un cadavre qui demandait une potion forte pour le réveiller. Allons-y. Salut, cadavre. Non, c'est pas lui, c'est juste en bas. C'est juste en bas. Bonjour, le cadavre de Farnham. Ah, voilà. Drunkard's Debt. De l'argent. De l'argent dû. C'est tout le trésor que Farnham avait. Et on a l'esprit de Farnham, du coup, qui est revenu par ici, c'est ça? On peut pas. Donc je suppose... Non, ça va être... Je suis d'en haut, du coup. Ah, salut, on te donne ton argent. Eh oui. La lettre de Garda. Une lettre de la femme de Ogden au soigneur de Tristram. Donc le soigneur de Tristram, c'était lui. La prescription du soigneur. Schéma détaillé pour une jambe de bois pour un enfant. Un enfant. Pour Wirt. Ok, donc on va parler à Griswold. On récupère le plan de la jambe de Wirt. Plan de la jambe de Wirt qui nous permet de retourner du coup au forgeron, lui apprendre le plan de la jambe de Wirt. Donc là, je suis plus très sûr de moi. Clairement. Du coup, c'était quoi? Une masse à une main, je crois. Je ne suis pas sûr non plus de ça. Mace. Jambe de Wirt. C'est pas ça. Ah si. Jambe de Wirt, niveau 1. Objet bleu. Craftons donc la jambe de Wirt. Eh bonjour. Cette jambe coûte 1 million. C'est la seule restriction. Elle est taguée bleue, mais en fait, elle l'est pas. Elle est complètement unique. Donc normalement, si on la démantèle... Voilà. Si on la démantèle, tel un item de PE... Nous récupérons donc la map des étoiles. Alors, vous n'étiez pas supposé trouver cette vieille map. Il apparaît que il y a une trace de sabot imprimé et les nombres 2-1-3. 2-1-3, du coup, est la combinaison dans laquelle cliquaient les vaches que l'on a croisées tout à l'heure. Donc on retourne aux vaches, qui sont à droite, après Adria, dans la petite enclave à droite. It cannot be done. Hop, ici, adatatata. Donc, si on compte 1-2-3, il a dit 2-1-3, donc 2... 1, 3, voilà, et ça ouvre une zone secrète vers la ferme abandonnée. Nous rentrons donc dans la ferme abandonnée. Bonjour, dernière zone du coup de l'événement de Darkening of Tristram. Avec des vaches, parce qu'on ne peut pas tuer, Damned. Oh, les vaches partout, tout un tas de vaches. Un épouvantail, oui. Et là, le stock de Wirt. Salut! Et dans ce coffre, on trouve une mascotte, la mascotte secrète de l'événement du Darkening of Tristram, qui est donc l'agneau royal. Cette jeune créature a un air royal, comme si elle tenait une place spéciale dans son troupeau. Qui sait qu'est-ce qu'il ferait si elle venait à manquer? D'accord? Elle manque, ça y est, hein? Et donc, cette zone, du coup, fait qu'on en kidnappe. Enfin, pas en kidnappe, on vole, kidnappe, je sais même pas trop. Du coup, ces vaches-là s'arment et deviennent les vaches du niveau des vaches. Ça, c'est le coup. Ah mon dieu, c'est le pourquoi du coup le niveau des vaches existe, c'est ça? C'est notre faute? Oh, c'était notre faute depuis le début! Damned!
Du coup, si on va dans les pets, on a eu droit à une magnifique vache, la Royal Calf. Fabuleux. Une vache fantastique, la vache royale. Bon, sur ce, j'espère que ça vous servira pour le quelques jours qui restent où l'événement est up et pour la prochaine fois. Ah, la fidèle vachette. Elle est magnifique. Elle est royale, oui. Plein de bonnes choses, portez-vous bien, mieux que moi. Et à la prochaine, Sabrai out. Bye bye.